Salut tout le monde, on est aujourd'hui le 7 septembre 2021, donc euh, c'est un retour pour euh, Imagination Hobby Live. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, euh, c'est faire peut-être un bref survol de l'actualité euh, de tout ce, qu est ce qui est euh, les collections de figurines et d'icass, ainsi que euh, tous les, les autres euh, sujets qui peuvent être d'intérêt pour les articles de collection. Euh, on va vous présenter rapidement les nouveautés en précommande, nouveautés en magasin, petite rubrique dans le iPad Adam. Je vais vous présenter des photos là, que j'accumule sur Internet à gauche et à droite, juste pour vous présenter ça. Euh, faire une brève revue Cinéma TV, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai aimé, puis euh, peut-être un sujet de discussion. Euh, donc aujourd'hui, on va aborder le sujet là, des... Euh, du faux euh, cuir qui, euh, qui souvent là, va, va se désagréger dans certaines conditions parce que c'est pas dans toutes les conditions. Donc, euh, sans plus tarder euh, au niveau de l'actualité, euh, dans le fond, ce que j'aimerais vous partager, c'est que j'ai vu beaucoup su, d'informations sur Internet de, de deux événements. Un euh, concernant. La figurine General Grivius de Sideshow euh, qui a été shippée à certaines personnes aux États-Unis. Les marchands, on n'a pas reçu notre euh, allocation, euh, du moins au Canada. Et euh, plusieurs personnes se sont plaintes à savoir que ben, les articulations étaient faibles, les bras tenaient pas. C'est une figurine qu'ils ont déjà lancée dans le passé. Et à ma connaissance, euh, je ne me rappelle pas d'avoir vu autant d'informations sur Internet là, qui disaient que le, le produit euh, était, euh, était défectueux ou quoi que ce soit. Donc, il euh, y a eu plusieurs éléments qui ont, qui ont été portés à l'attention de, de Sideshow. Puis moi, je les ai contactés pour voir qu'est-ce qui va se passer dans, dans cette situation-là. Est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est seulement des cas isolés ou quoi que ce soit? Donc, Saichu m'a dit qu'il était au courant de la situation qui était pour euh, premièrement, il, si vous allez sur le site, euh, les, euh, les, les euh, c est, c est plus disponible. Euh, C'est en précommande. Donc euh, le, 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 vous pouvez passer la précommande, mais vous, il n'expédie plus de, de général Grevius. Donc, euh, ce que j'ai compris, c'est qu'il était pour euh, apporter des améliorations à la figurine, s'assurer que tout est correct. Les gens qui ont signalé des problèmes, euh, je pense qu'ils peuvent rentrer en contact avec Sideshow. Il y a sûrement quelque chose qui peut être fait. Puis simplement, peut-être une parenthèse. Euh, je sais qu'il est arrivé une situation similaire dans le passé avec euh, des Batmobile 16, la Batmobile 1989. Puis les, les gens, s'est ramassé sur Internet. Il y avait des scratchs en dessous de la mobile, Il y avait des scratchs un peu sur. Il y avait comme un plastique que tu pouvais mettre par-dessus la mobile, comme si elle était blindée. Alors, des fois, il y avait des scratchs là-dessus. Puis étant donné que c'est un gros, gros produit, c'est pas évident pour Sideshow ou Hot Toys d'expédier de, des pièces de remplacement et tout. Donc, euh, il y avait avisé les marchands de dire ça se peut qu'il y ait des problèmes de qualité à certains endroits, euh, puis qu'il fallait les prendre tels quels. Euh, donc, euh, à l'époque, on a eu quelques cancellations. Et puis, euh, sur euh, pratiquement la dizaine d'unités qu'on a reçues, euh, aucune n'avait d'effectuosité de, de majeure ou des problèmes de qualité majeurs. Euh, certaines avaient quelques petits scratchs en dessous de la mobile, mais dans le fond, ça ne change absolument rien. Il n'y avait rien qui était apparent là, euh, visuellement là, au niveau du... Euh, de la, de, la, de la partie supérieure où est-ce qu'on regarde. Donc, euh, finalement, les gens qui avaient cancelé l'ont regretté. Puis là, ben, là c'était plus compliqué pour essayer d'obtenir euh, ces, ces, euh, ces produits-là parce que ben, dans la majorité des cas, il y a d'autres gens qui, euh, qui ont pris euh, les produits. Ce qui fait en sorte que, euh, aujourd'hui, moi, je suis un peu sceptique. Là. Tu sais, quand je vois des affaires qui sortent sur Internet, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais des fois, ça peut être des cas isolés. Des fois, ça peut arriver, comme par exemple, le Deadpool avait un problème au niveau des, euh, des, de, de, des manches qui se défaisaient. Donc, quand ça a sorti en Asie, euh, plusieurs personnes ont, ont rapporté le problème. Puis, à ce moment-là, Sideshow a euh, retardé la réception des, des, euh, des produits. Puis, euh, à ma connaissance, euh, dans les produits que nous, on a reçus, on n'a pas eu aucune situation là, où est-ce que les clients nous ont rapporté que les manches étaient défaites ou quoi que ce soit. Donc, il <coughs> faut faire attention quand on voit certains de ces éléments-là passer sur Internet. Autre situation, toujours dans l'actualité, euh, je voyais qu'il euh, y a des gens qui disaient que les d là, les, les espèces de, de racks Ikea vitrés à, à quatre étagères euh, étaient discontinués. Donc euh, récemment, j'ai été chez Ikea puis euh, j'ai demandé à la personne de regarder dans son inventaire et elle me disait que dans le fond les, euh, les noirs, les tauls avec euh, la mélamine noire étaient euh, en rupture de, de stock principalement à cause des problèmes d'approvisionnement. Il y avait en tout cas à Montréal il y avait du blanc et puis euh, au niveau de, du noir ben c'est ça il, il était en attente. Elle, ce qu'elle m'a dit, c'est que généralement, quand quelque chose est discontinué, euh, ça, va, ça va être identifié dans leur inventaire dernière chance. Et puis, euh, ce n'était pas identifié. Donc, selon elle, ce n'est pas, euh, pas discontinué. Ça serait euh, simplement en rupture de stock présentement. Puis, euh, je sais qu'ils l'ont retiré sur leur site, euh, mais je pense que, étant donné que c'est en rupture de stock principalement à travers le, le Canada, là, en termes de, de commandes ou quoi que ce soit, ben, je pense qu'il euh, l'enlève il, il du site là, pour ne pas générer de, de l'insatisfaction et tout. Et puis, euh, qu'on se croise les doigts, ce n'est pas un communiqué officiel d'IKEA, mais ça provient d'une personne qui travaille, puis qui a regardé dans la base de données et puis euh, qui, qui m'a identifié cette information-là. En contrepartie, il euh, y a des produits euh, qui sont relativement nouveaux. Euh, qui, qui viennent un peu remplacer le, le Besta là, qui, qui est vitré mais qui est en métal. Il y a une version verticale avec une version euh, horizontale qui peut donner une certaine flexibilité. Fait ça aussi, là, ça peut être intéressant. Donc, euh, je pense que ça s'appelle le Millsbow. Donc, euh, peut-être juste jeter un coup d'œil sur euh, IKEA. Et puis, euh, si vous allez euh, chez IKEA, ben, faites la même chose, demandez à la personne euh, qui, qui s'occupe de ce genre de produit-là. Si euh, c'est discontinué, puis envoyez-moi un, un message, un texto, et puis je pourrais examiner ça, puis euh, vous donner de l'information par la suite à savoir si, euh, si ça s'avère euh, exact, l'information que je vous ai donnée. Donc, euh, c'est euh, un peu les informations là, que j'avais en termes d'actualité concernant euh, les précommandes. Alors, euh, je vous montre un peu qu qu'est-ce qu qui vient de sortir. On vient d'être informé que le Doc Brown est de retour. Euh, donc, une version régulière, une version deluxe. Euh, le Marty McFly semble être une version exclusive, un par client. C'est pour ça qu'il n'est pas sur notre site. On va valider avec euh, Sideshow si euh, on ne peut pas placer des commandes. Euh, généralement, on réussit à avoir des exclusives. Euh, C'est sûr que le prix est un peu plus dispendieux, mais on essaie de faire en sorte que pour ceux qui passent des précommandes, que ça représente sensiblement le même déboursé que si vous achetiez la, la figurine sur le site de Sideshow. Parce qu'il euh, faut prendre en considération que vous allez avoir des, euh, des frais d'expédition, des frais de douane, etc. Fait que ces frais-là, euh, on les ajoute. Et euh, ça fait en sorte que c'est comme si vous payez le, 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 le produit directement chez Sideshow. Euh, nous, dans le fond, on essaie de, de l'absorber avec le fait qu'on on, on expédie les figurines en, grand, en grande quantité, ce qui nous permet d'être capable d'absorber de, de, ce frais-là. Donc, euh, fait que si jamais c'est pas clair, contactez-moi, envoyez-moi un message. Euh, sur, euh, un email à info ou euh, vous pouvez aller sur notre site nous envoyer euh, un petit formulaire avec les informations, puis on va vous revenir en vous donnant le, le, le prix exact, puis en, entre temps on va s'assurer de voir avec Sideshow si on a la possibilité d'en commander plus qu'un, qu puis si c'est pas le cas ben, à ce moment-là euh, euh, on va vous informer pour pas que vous manquez votre chance Euh on a, vous avez vu d'autres produits. On a des produits NECA qui s'en qui viennent, qui sont en précommande. On a une premium format euh, de Huntress. Euh, C'est la deuxième version. Il y avait déjà une version qui existait dans le passé. La, dans la compagnie Mesco, on a le Alien et The Crow. Donc euh, ça, ça peut être très intéressant. Faites, n'hésitez pas à passer vos commandes immédiatement. Pour vous garantir d'avoir le produit. Euh, parce que souvent, le, surtout le, dans le Mesco, c'est des produits qui s'envolent quand même assez rapidement. Une nouvelle série de Marvel Legends. Donc, euh, on a aussi une nouvelle série de Marvel Legends Spider-Man, du Star Wars Vintage euh, 3 pouces 3 quarts, Master of the Universe. GI Joe Ultimate. Donc, on a le Snake Eyes, on a Cobra, on a Duke. Donc, euh, plusieurs figurines. Euh, pour ceux qui ont peut-être manqué, dans le fond, la, la, la possibilité euh, d'acheter un, un Rick Grimes pour euh, la série Walking Dead, parce qu'il y a plusieurs figurines qui sont sorties. Il y a déjà eu des kits dans le passé. Il y a déjà eu, je pense, un Rick Grimes de Tree Zero. Mais là, c'est la version shérif qui est comme un peu, tu sais, le, le, je pense, un peu euh, le, le standard, si on veut, là, quand on, on pense à Rick Grimes. Donc, ça peut être intéressant. Euh, donc, euh, en termes de précommande, euh, si jamais vous voulez voir l'ensemble de nos précommandes, vous avez simplement à cliquer tout voir ici et ça va vous amener sur tout qu ce qui est précommande. Je regarde un peu dans les commentaires. Vladimir, salut, j'espère que ça va bien. Euh, donc, euh, après les nouveautés, les nouveautés en magasin. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a de rentré en magasin euh, On a eu, euh, dans le Star Wars, on a eu. Euh, une collection là, dans laquelle on, on a acheté plusieurs figurines. Donc, si jamais ça vous intéresse, venez jeter un petit coup d'œil. Dans le Hot Toys en stock, on a eu... On a plusieurs produits. Euh, donc, euh, si on regarde... Quand vous voyez qu'il n'y a pas de prix ici, là, ça, c'est de la consignation. C'est quelqu'un qui veut vendre son produit. Et euh, la raison pourquoi on ne met pas de prix, c'est qu'on ne veut pas nécessairement expédier ça là, aux États-Unis, en Colombie-Britannique, au Manitoba, quoi que ce soit. Parce que quand on expédie, on expédie les produits qu on aurait, qui nous proviennent directement du manufacturier. Fait qu'on les inspecte, on s'assure qu'ils sont corrects, mais j'aime mieux principalement faire des ventes locales. Donc, si quelqu'un euh, vient au magasin, peut inspecter la figurine et s'assurer que tout est à son goût. Euh, dans le cas où quelqu'un voudrait avoir un, un shipping, ben à ce moment-là, il, il rentre en contact avec nous. On peut faire peut-être un petit vidéo, montrer que la, la figurine est complète, est en bon état. Puis s'il y a des, des petits accros ou quoi que ce soit, ben avec un vidéo des photos, on peut le montrer. Puis à ce moment-là, la, la personne peut prendre sa décision. Donc, euh, mais c'est pour que ce ne soit pas facile. À placer une commande parce que je pourrais avoir quelqu'un du Manitoba qui place une commande et après on est obligé de lui expliquer, puis c'est pas mal plus compliqué. Donc si la personne a elle veut avoir de l'information, elle a juste à rentrer en contact avec nous. Donc, euh, fait que oui, on a eu beaucoup de consignes. On a quelqu'un qui vendait une grosse partie de sa collection, euh, ce qui fait en sorte qu'on on a plusieurs vieux produits qui sont rentrés en, en magasin. Euh, je regarde vite, vite. C'est sûr que vous pouvez toujours taper dans l'engin de recherche, par exemple euh, Hot Toys, et puis euh, vous allez voir les différents produits. Quand le, les, les produits sont marqués « pre-sold out », contactez-nous pour la disponibilité. Souvent, on en a en, en, encore en inventaire où ce qu'on peut euh, allouer, c'est comme un « pre-sold out », c'est comme une, une, une précommande, mais validée. C'est qu'on veut s'assurer que lorsque vous allez placer votre précommande avec nous, on, on va avoir cette quantité-là. On ne veut pas juste laisser euh, pre-order puis prendre 35 commandes puis finalement on a juste 30 produits puis on va décevoir 5 personnes. Fait qu'on veut vraiment s'assurer que, que tout est correct. Donc, euh, vous voyez dans les produits ajoutés au panier, ça c'est ce qu'on a en stock. Et puis euh, présentement, bon, on a un transformer. Euh, Je vais aller un peu ici là, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de produits qui sont sortis, qui ont été annoncés. Donc, euh, on a Force Awaken, euh, on a des Troopers, on a Ray. Donc, euh, on a plusieurs produits là, euh, qui, euh, qui sont encore disponibles. On a du, du Marvel, du DC, euh, du Batman, Robin, 1966. Euh, 40e anniversaire, Boba Fett, euh, donc euh, pas mal de produits en stock. Si on regarde aussi, euh, par exemple au niveau du Marvel Legends euh, puis du Black Series, on a quand même aussi une grosse collection en magasin. Donc, euh, vous pouvez simplement là, dans le Star Wars Hasbro, vous venez cliquer là-dessus puis euh, ça va vous donner une bonne aperçu de qu ce qu'on a en magasin. Euh, même chose pour, euh, par exemple, si on prend le Marvel, vous voyez dans le fond les différents produits qu'on qu a. Euh, par exemple, euh, un produit, je ne sais pas les, les fans, les, les, les mordus, vont savoir que le Stan est sorti, mais on, il nous reste des Stan euh, en figurine Marvel Legend. Donc, ça, ça peut être un produit qui va être intéressant. Donc, aussi, on a reçu euh, le casque de Iron Man, je pense qu'il nous en reste un. Dans la série euh, Infinity Saga, on a le Iron Man, Odin, euh, Quicksilver, donc, puis je pense qu'il y en a d'autres qui, euh, qui devraient venir euh, incessamment. Fait que c'est pas mal ça. On a une grande sélection aussi de die -casts. On a du, des 12 pouces de diverses compagnies qui viennent complémenter dans le fond vos collections de 12 pouces. Euh, donc, n'hésitez euh, pas. Euh, je vais prendre un petit regard sur les commentaires. Euh, donc, euh, Benjamin, oui, euh, tu es dû pour un nouveau euh, 12 pouces. Euh, donc, ça fait un petit bout là, que. Ta collection, euh, mais t'as l'embarras du choix maintenant. T'as plusieurs. Euh, as, tu, pourrais, tu pourrais prendre sous, euh, diverses euh, Boba Fett qui sont sortis. Euh, même chose pour Mandalorian. Il y a plusieurs versions qui sont sorties. Euh, Avez-vous le NECA Jason Part 7 Ultimate? Donc, euh, allons voir si on fait Jason. Euh, en passant euh, dans, si, si les gens qui aiment euh, dans le fond euh, Jason il euh, y a euh, on a reçu le 12 pouces de Jason Freddy Krueger euh, on a aussi Michael Myers je pense puis euh, on attend du Letterface d'ailleurs on a une commande de Sideshow qui devrait partir cette semaine euh, ça devrait partir incessamment donc euh, je vais quand même envoyer des informations là, auprès des gens euh, qui ont placé des précommandes pour leur dire euh, qu'est-ce qui s'en vient. Donc, euh, Friday Part 7 Ultimate, c'est en précommande. Donc, n'hésite pas, euh, c'est le temps de placer une petite commande pour avoir ce, cette figurine-là qui devrait arriver d'ici quelques semaines ou quelques mois. Donc, euh, c'est pas mal ça dans les produits qu'on a en magasin. Euh, si on s'en va dans le iPad Adam. Donc, ça c'est un, une nouvelle rubrique. Les euh, euh, informations comme vous voyez, euh, vous, ça, ça provient de Cam Vitch que j'ai trouvé sur Internet. Donc, lui, a eu des problèmes avec son, euh, son Terminator 12 pouces. Et puis là, je tiens à dire que euh, là, il y a des gens qui disent Ah mon Dieu, ça se peut pas, ça va arriver à mes figurines euh, c'est c'est pas clair parce qu'il y a des gens que ça fait des années qui ont euh, ces produits euh, qui ont du faux cuir qui n'ont pas cette situation là et il y a des gens qui euh, supposément achètent le produit plusieurs années après puis lorsqu'ils rouvrent la boîte c'est une situation comme ça qui est survenue donc euh, moi j'aurais tendance à croire que ça, ça va être beaucoup l'exposition directe au soleil la chaleur intense. Euh, euh, on s'entend là que beaucoup de produits proviennent de l'Asie. Donc, euh, des gens peuvent avoir ça aux Philippines, euh, où est-ce que c'est très chaud, très humide? Ça peut peut-être occasionner ce genre de situation-là. Euh, L'exposition au soleil, que tu sois en Arizona, en Californie, même dans, au Connecticut en plein été, si le soleil frappe directement dessus, ça peut occasionner ce genre de situation-là. Une autre chose aussi qui est à penser et à garder, c'est euh, tout le volet euh, des lumières halogènes. Les lumières halogènes vont générer une certaine chaleur qui fait en sorte que ça peut peut-être assécher euh, les matériaux. Donc, il euh, y a des gens qui utilisent euh, un produit euh, qui, euh, qui vont euh, appliquer sur le, le faux cuir qui euh, semblerait être beaucoup. Donc, euh, moi, j'ai un peu une crainte à... À recommander ça ou à ne pas recommander ça parce que j'aimerais mieux l'essayer avant pour m'assurer que ça crée pas une situation problématique, que ça fait une réaction chimique puis qu'après un certain temps, ça occasionne justement ce genre de problème-là. Dans tous les cas, euh, on peut voir euh, l'effet que ça donne. Fait que si c'est un battle damage, c'est pas trop pire. Dans ce cas-ci, ça m'apparaît pas trop pire, ça, ça apparaît quand même un peu problématique. C'est quand même assez intense. Et puis, euh, là, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que, à toute fin pratique, lui, il considère là, que son, le manteau est, est défectueux. Il y a une compagnie qui s'appelle g Custom que vous pouvez retrouver sur Facebook. Et eux euh, développent des, euh, des produits de remplacement euh, que, que vous pouvez euh, commander. Euh, j'ai écrit à la personne parce que ce qui ce qui nous demande c'est qu'on communique directement via leur email et non quand tu écris send message ça dit utilise le email fait que là j'ai envoyé le email j ai, j ai, à ma connaissance j'ai pas eu de réponse j'imagine que ça doit être quand même assez cher là, parce que euh, si c'est du vrai cuir puis la manutention puis tu sais c'est avec les petits zippers et tout euh, mais des fois si c'est le personnage de Terminator, c'est ta figurine préférée. Euh, Puis tu ne veux pas te ça se peut que ça vaille l'investissement. Mais pour l'instant, je n'ai pas les prix. Donc, euh, si vous voyez, là, le, le produit est quand même drôlement bien fait. Là. fait que... Deuxième élément qui est dans mon iPad, que j'ai jugé digne d'intérêt, euh, c'est un monsieur Bob Skelton Tremblay qui est dans le, le groupe de collectionneurs le figurine de figurines de statuettes, euh, qui, a, qui a repeint, dans le fond, le Pepsi, euh, le Yoda Pepsi. Donc, c'était un Yoda promotionnel euh, avec une base avec un, un logo Pepsi qui était dessus. Et puis, euh, ben, il a retravaillé, en fait, euh, le, le, le visage. Et puis, on le voit ici avec un lightsaber euh, de Black Series de Yoda parce que, à toute pratique, un pratique, c'était un genre de petit tube euh, vide, vert, qui, qui, était, qui venait avec. Donc, euh, puis là, on voit ici qu'il a retravaillé la base parce que c'était une base ronde. Donc, il, il était avec une base carrée, avec euh, un, un logo, peut-être en impression 3D ou quoi que ce soit. Fait que je trouvais ça cool. C'était un En fait, ce Yoda-là, je l'avais. Je l'ai vendu au magasin. Euh, c'était probablement un des Yodas que je trouvais le plus cool euh, qu'on pouvait retrouver sur le marché à, à ce moment-là. Je trouvais que dans les Yodas qui ont sorti. Personnellement, je trouvais qu'il y avait tout le temps un petit quelque chose off. Soit que c'était pas à l'échelle 1, 1 soit qu'à l'échelle 1, -1 euh, les yeux ne ressortaient pas bien euh, ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est tiré un peu de Attack of the Clone, mais euh, je trouvais qu'il était un peu badass. Là. Fait que, euh, euh, ça, c'est tantôt on va voir là, de qui ça vient, mais c'est euh, j'aime beaucoup prendre des snapshots là, des gens, comment ils exposent leurs produits. Donc, euh, fait que là, j'imagine que ça, c'est un peu euh, une cuisine d'un un, demi-sous-sol ou quelque chose de genre, quelqu'un qui, qui habite chez ses parents. J'ai aucune idée, mais j'imagine que la cuisine n'est pas comme hyper complète. Là, ça a l'air plus d'une petite cuisinette ou quoi que ce soit. Puis bon, la personne l'a agencée euh, pas mal au niveau de Star Wars avec euh, beaucoup de cadres. Je ne suis pas un fan de sport euh, à extrême, mais. Je trouve ça sharp, des cartes qui sont des, des images comme ça, qui sont dans des cartes avec le logo, tout ça. Et je trouve que c'est vraiment cool. Puis, la personne en a, bon, tu sais, du sportif, mais aussi, euh, tu sais, des fois, on en voit, tu sais, avec des images de, de Star Wars ou super-héros. Fait que, tu sais, ici, bon, on voit le cinéma maison, un live size Boba Fett. On voit ici euh, le. Le Speeder 1 corps avec un ton-ton 1 corps Donc, euh, bon, meilleure vue ici qu'avec un casse probablement Black Series. Donc euh, moi, je ne suis pas un fan trop trop de, de mettre plein de choses comme ça. Je suis un, un maniaque de TV. Puis quand j'écoute la TV, ben je ne veux pas trop être distrait par euh, toutes ces pièces-là. Là, Donc euh, c'est euh, sûr qu'à un moment donné, on manque de place, puis on, on se dit, tiens, on va le on va les, les les mettre en valeur mais personnellement là j'ai regardé mon mon coin un petit peu plus clean euh, bon les, les 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 cadres ça peut aller puis encore là il faut examiner parce que je regardais moi chez moi pour essayer de mettre euh, différents cadres comme ça avec des des vitres où tu sais qui a de, du reflet mais l'écran de la TV va refléter euh, dans dans ces euh, ces vitres là puis ça peut venir un peu ça peut taper ses nerfs mais là ça dépend des préférences des gens mais personnellement là Quelque chose que je, je, suis pas, je suis pas un fan. Ici, on voit euh, d'autres façons d'exposer euh, ces collectibles. Ça a l'air d'être pas mal fait maison, je pense. Euh, Quoique, euh, je ne suis pas sûr que euh, des unités avec du grillage comme ça pour, euh, pour montrer les. les ça cache un peu les figurines. C'est peut-être euh, quelque chose qui a déjà acheté déjà tout fait. Puis là, on voit encore la thématique là, sportive et euh, geek un peu. Donc, on a des, des statues alors qu'on a des cases de football. Et puis, euh, il semble pas avoir de casse des Patriotes. Fait que j'imagine que c'est pas un fan des Patriotes. On doit être un bon gars. Donc, euh, tu sais, là, ici, on voit là, plus des, euh, des photos de films. Donc euh, ça aussi, là, je trouve ça intéressant. UFC, fait il est toujours dans la thématique des, des films de sport. Ça c'est quand même euh, est bien agencé. Fait que ça, ça provient de Jason Bobbit qui, euh, qui a été tiré dans le fond de Collectibles Cave, euh, Statue Man Cave. Donc c'est un, un groupe euh, de forum. Ici on a Rodrigo Quis Quisada. Qui euh, nous montre, euh, dans le fond, des, des dioramas qu'il a fait. Fait qu'on voit un peu Tatooine. Donc, euh, avec un effet de lave. Euh, lorsque Han Solo euh, réussit à s'échapper de cette espèce de monstre qui essayait de le manger. Euh, Dagobah. Donc, on peut voir ici, là, une espèce d'effet, là, probablement avec euh, de l'acrylique. Fait que tu sais, ça devient intéressant où -ce que la personne apprend une image puis elle se dit, OK, je vais essayer de répliquer ça en diorama. Fait que ça, ça, ça peut être. Ici, on voit le X-Wing quand Luke euh, est écrasé. Fait que c'est euh, quand même intéressant là, de, de voir. Euh, ces différents éléments-là. Fait, fait que, écoutez, euh, écrivez-moi euh, comment vous trouvez ça, euh, ce, ce genre de rubrique, euh, où est-ce que je vous partage des informations. Euh, ça, peut être, euh, ça peut être intéressant. Là, si vous avez des sujets ou quoi que ce soit, à ce moment-là, je peux... Euh, je peux alimenter ça avec différents autres sujets. Euh, si vous me dites, hey, c'est cool euh, la façon dont les gens exposent les, euh, les, euh, leurs produits ou quoi que ce soit. C'est vraiment le fun. Euh, on aimerait voir plus de photos par rapport à ça. Par contre, entre-temps, si ça vous prend absolument ce genre d'éléments-là, vous avez ici, vous avez environ plus de 20 000 images que j'ai accumulées au fil du temps. Donc, euh, si vous voyez, là, vous avez, mettons, les présentations de collections. Fait que j'ai comme trois rubriques, même quatre. Fait que si vous cliquez, par exemple, là-dessus, euh, ça va vous amener là, dans une série. Puis là, vous êtes en mesure là, de naviguer, puis de voir comment est-ce que les gens ont présenté leur, euh, leurs articles de collection. Fait que ça, ça fait super longtemps que j'ai accumulé ces photos-là. J'ai créé cette banque d'images-là. Mais au fur et à mesure là, que j'en trouve, euh, je les mets dans mon iPad, puis à ce moment-là, on peut les, les présenter. Là, Donc, euh, je vais aller vraiment dans les euh, dans, dans les, euh, les commentaires. Donc, Sylvie euh, Choquette demande est-ce que vous avez la sorcière de Conjuring? Euh, la réponse c'est oui. C'est de non, je pense, si je fais ça. On va voir que... Fait qu on a ça ici, de Quantum Mechanics. Puis, euh, donc, euh, il y a deux modèles de Quantum Mechanics, je pense. Euh, donc, il y avait un produit qui avait déjà été ouvert, qui, est, des fois, ça, c'est comme l'usager. Puis, on l'offre en bas neuve avec un petit peu plus dispendieuse. Donc, euh, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre un produit là, qui, est, qui est vraiment intéressant à peu de frais. Euh, donc, euh, c'est ça. Puis, je pense aussi qu'il y a une autre compagnie qui l'avait sorti. Euh, puis, pour ce qui est de euh, notre ami Dominique qui, qui demande comment tu trouves le nouveau Doc Brown, ben, je trouve le, le Doc Brown euh, intéressant. Euh, ce que je trouve qui est, qui est sharp, c'est que pour tous ceux qui, euh, qui avaient le. Qui, qui, qui voulait avoir le Doug Brown puis qui voulait absolument euh, euh, l'ajouter à, à sa collection, euh, ben, il faut l'étudier sur le marché usagé. Puis là, à ce moment-là, ça devenait assez dispendieux. À ma connaissance, il faudrait je vois je pense, pense qu'il est différent, un peu comme le Marty McFly. Je ne pense pas qu'il y avait un chien. Donc, euh, tu sais, ils ont rajouté des accessoires. J'imagine qu'ils ont fait la, un peu la même chose avec euh, le Doug Brown. Il doit avoir des accessoires qui sont un peu différents. Ça dit que ça devrait euh, être expédié autour de janvier-mars 2023. Janvier-mars 2023. 2023. On est en 2021. Mais oui, c'est euh, vraiment ce qui se passe euh, si vous regardez. Les, beaucoup de produits euh, qui sont annoncés maintenant de Hot Toys, euh, la sortie est due en 2023. Euh, donc, les gens, il y en a qui disent, ah oh non, je vais attendre, je vais attendre, mais je vous le dis ce euh, c'est pas nécessairement une bonne idée parce que d'ici 2023 les marchands là on a à peu près mettons un mois pour placer nos commandes là, je sais que ça fait 100 fois que je le dis à certains d'entre vous mais on a un mois pour placer nos commandes fait qu'on regarde si on a 10 15 commandes ben les gens ils commanderont pas 30 produits ils vont en commander peut-être 5 6 d'extra maximum dépendamment des, 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 du produit ou quoi que ce soit parce que les, les marchands ne veulent pas rester pris à, avec des produits. Ce qui fait en sorte que euh, si vous attendez, ben, d'ici mars 2023, je suis pas mal sûr que si j'en ai, on dirait, disons, quatre d'extra, d'ici à 2023, c'est sûr qu'il va y avoir quatre personnes qui vont venir me voir et qui vont me dire Ah, hey, je t'ai intéressé, es-tu capable d'en de avoir un encore Puis je vais dire Oui, jusqu'à temps que j'en ai plus. Euh, puis par la suite, ben ça se peut que Sideshow va en avoir encore, mais là, vous allez payer des frais de shipping, vous allez payer la douane, etc. Alors que généralement, quand vous utilisez un marchand local, ou en tout cas chez nous, chez Imagination Hobby, euh, vous ne payez pas ces frais-là. Fait tu sais, mais. Puis il y a des gens qui viennent nous voir qui disent Ah, ça fait 4-5 figurines que j'achète à Side Show. Je suis content de vous avoir rencontré parce que je vais sauver de l'argent. Bien, c'est sûr qu'après cinq figurines, quand même, tu sauverais 60$, ben c'est 300$ pièces tu viens de sauver. C'est un autre figurine que tu peux t'acheter pour, pour les mêmes prix. Donc, euh, et puis euh, fait c'est ça. Euh, Dominique continue en disant As-tu vu, ils vont refaire Rocky Cat et Over the Top et Cobra? Euh, ça serait vraiment cool. S'ils sont capables d'avoir un bon sculpt, là, ça serait vraiment sharp. Euh, ce qui serait vraiment cool ce serait d'avoir une figurine Cobra parce que ça il n'y a personne qui l'a sortie et puis euh, je te dirais même plus qu'en en fin de semaine je regardais euh, la librairie iTunes puis euh, si vous êtes des, un fan de Stallone il y a un film qui s'appelle Nighthawk euh, c'est euh, Billy Dee Williams celui qui fait Lando Calrissian qui joue avec lui un détective et puis, euh, c'est quand même intéressant. Puis, le méchant, c'est Rookter Hauer, euh, qui jouait dans Wanted Dead or Alive. Fait que c'est est un film qui, qui est cool. Puis, ça serait un personnage intéressant et différent si euh, Hot Toys pouvait faire ça. Donc, euh, ouais, en plus, ils refont le premier Rambo. Mais je ne sais pas si tu fais référence à, à Hot Toys, parce que Tree Zero a fait Rambo 3. Puis là, ils viennent d'annoncer Rambo 1. Euh, je vais vous le montrer. Je l'ai ici. C'est sûr, 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 sûr que ça, ça, ça s'en vient dans ma collection. Parce que je suis un, un fan fini de, de Rambo. Euh, puis là, les gens disent Ouais, Rambo, mais euh, moi, je suis un fan de First Blood. Donc, c'est sûr que s'ils viennent de faire cette figurine-là, on voit euh, avec la blessure. Le avec euh, son espèce de, de sac en jute qu'il euh, qu utilise. Le visage n'est pas 100% wow. Mais c'est pas mal mieux que le, quand Otto ils les avait sortis euh, la, la première fois. Euh, donc, on le voit avec la M16. Puis, il va avoir la M60 là, quand il attaque la ville. Puis, euh, il détruit euh, la... la le poste de police. Donc, euh, fait c'est une figurine qui est vraiment cool. Moi, je vous invite euh, à passer vos précommandes. Euh, le Rambo, euh, le Rambo euh, 3 euh, a été un excellent vendeur. J'ose espérer que lui, ça va être la même chose. Là. Fait que... Euh c'est ça c'est euh, vraiment bien c'est la même compagnie qui a fait le Rainbow 3 donc c'est c'est pas Hot Toys fait que j'ai pas connaissance à savoir si euh, Hot Toys était pour euh, le faire mais on sait que la compagnie 3.0 zero va, va le sortir donc les gens qui sont intéressés vous avez simplement à cocher ici puis vous allez payer simplement un dépôt de 75 qui est un peu plus que l'équivalent des taxes avec une petite affaire de plus. Et euh, à ce moment-là, vous pouvez soit décider de, de le payer, un dépôt, puis euh, payer tant par mois. On a plein de programmes euh, ouverts pour euh, les, la, la flexibilité des, des modes de paiement. Donc, n'hésitez pas à poser des questions là-dessus. Mais euh, si vous voulez réserver votre figurine, c'est toujours mieux là, de, de procéder avec un dépôt. Certaines personnes payent au complet là, la figurine, mais euh, c'est pas requis. Euh, c'est simplement pour offrir l'option aux gens qui aiment mieux dire bon, ok, quand ça arrive, c'est déjà payé. Mais là, beaucoup de gens vont utiliser plus l'option. Je donne un dépôt puis là, je paye la balance quand ça arrive. Euh, donc euh, ça, Yves Bergeron dit salut, je recherche Bowen Hockey Museum si quelqu'un a ça à vendre. Écoute, alors, je vais essayer de voir euh, avec les commentaires, mais je peux te mettre en contact avec quelqu'un qui est super bien plugué pour tout ce qui est euh, les Bowen. Donc, euh, je ne l'ai pas en magasin, mais je, tu peux m'envoyer un message privé et puis euh, je, je te donnerai le contact là, de, la, de la personne. Si lui, il ne l'a pas, euh, il y a des bonnes chances qu'il sait où le trouver. Euh, puis à ce moment-là, ben, si vous vous entendez ensemble. Si le prix est bon, ben, tant mieux. Sinon, euh, euh, tu peux continuer à faire des recherches euh, sur, euh, sur eBay ou sur euh, Kijiji. Donc, euh, c'est bon en termes de, de commentaires c'est pas mal ça euh, on a passé le iPad à Dan revue cinéma ouais c'est ça euh, Yves c'est David qui est le, fait que es déjà au courant t'en regarde pas bien si lui il l'a pas Donc le, le, le premier film dans le fond que je voulais faire référence c'est euh, le No Time to Die de James Bond qui devrait sortir bientôt euh, donc je mets pas de son parce que la dernière fois quand je, je fais un test la dernière fois que j'avais de la, le son qui sortait là, de, du film euh, je m'étais fait flaguer par euh, par YouTube là, donc euh, je vais essayer plus de mettre juste l'image comme ça euh, donc, qu'est-ce qu'il y en a? C'est que euh, ça, ça va être le, le dernier James Bond qui va sortir. J'avoue que Daniel Craig, moi je suis plus euh, Sean Connery, donc, euh, mais j'avoue qu'il a réussi à, à m'avoir au fil du temps. Ça, c'est une prise de vue que je trouve incroyable. Et puis, euh, c'est ça. J'ai hâte d'aller voir ça. Puis, ce que je vois aussi, c'est qu'auparavant, les, les James Bond, il n'y avait pas vraiment de continuité. Tu sais, il y avait un film, ça finissait, il tuait le méchant ou peu importe. Là. Ça, puis, c'était une autre mission. Alors que là, il y a comme un arc. Fait que, euh, fait que au, au début, je n'étais pas vendu là, dans les premiers James Bond. Mais avec le temps, puis vu qu'il y a comme un arc là-dedans, puis que tu sais, ça, je trouve ça intéressant. Puis euh, je vais probablement me taper euh, toutes les James Bond avant d'aller le voir. Puis fort probable que ça va être un film que je vais aller voir au cinéma. Euh, parce que depuis la COVID, j'avoue que je n'ai pas été au cinéma et je meurs pas d'envie d'y retourner nécessairement. Mais euh, par exemple, ça, ça, ça mérite d'être vu sur, sur grand écran. Et puis, euh, c'est ça. ça. Cette voiture-là, j'avais ça quand j'étais petit, puis je euh, jouais avec ça, la Aston Martin. Puis, là, quand je vois qu'il y a deux Gatlin qui sont des, des forts, puis euh, qui tirent partout, euh, c'est vraiment intense. fait que c'est euh, c'est pas mal du, du grand James Bond, là, avec euh, l'action à côté. Puis j'ai pas, pas vu de spoiler ou quoi que ce soit. Je sais pas s'il si, parle d'Epic Conclusion. J'imagine que ça va être la, la dernière fois qu'on va voir euh, qu'on va voir James Bond ou da, Daniel Craig en 007. Euh, il était question que le prochain James Bond soit une, une fille euh, euh, qui, Donc là, j'imagine qu'on a vu que, quelqu'un. Fait qu'il y a des bonnes chances que ça va être. Euh, ça, ça va être ce personnage-là qu'on euh, qu qu va voir euh, pour... Euh, qui va être la prochaine James Bond, en fait. Puis l'autre film, dans le fond, que je serais curieux de voir, qu'est-ce que vous pensez de ça, mais euh, c'est Top Gun 2. Donc, euh, j'avoue que j'ai excessivement hâte, là, je ne peux plus, là, ça fait, il était supposé de sortir, je pense, l'année passée. Euh, là, je ne vois pas nécessairement de, de release date. S'il y en a qui savent quand Top Gun 2 va sortir, euh, mettez-les dans les commentaires euh, parce que j'ai vraiment hâte de voir ça. Euh, on se rappelle que euh, y, euh, Tom Cruise pilotait un F-14 et puis euh, je pense que depuis ce temps-là, la, la, la marine américaine a migré vers des F-18. Euh, je ne sais pas s'il utilise encore des F-14. Il faudrait que je demande à, à un de mes amis là, que c'est un maniaque d'aviation. Euh, mais là, c'est vraiment cool là, avec le, le F-18 euh, qui c est, c est un autre type d'avion qui a l'air d'être pas mal plus, euh, plus euh, agile. Puis là, ce que je trouve sharp aussi, c'est cool parce que ça se passe dans le futur, mais Tom Cruise, il a l'air un peu plus vieux. Il a l'air vraiment. Là, il, il est en phase out. Euh, j'ai aucune idée là, toute l'histoire. Je voyais qu'il y a, a, a quelqu'un qui décède. Puis, ça se peut que l'histoire, j'ose espérer que ça va être intéressant. Mais euh, les prises de vue, ça, 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 ça allait d'à côté le, le premier film. Fait que j'ai excessivement hâte de voir ça. Fait que je ne sais pas si euh, vous partagez cette opinion-là. Mettez dans les commentaires euh, si vous avez hâte de, de voir ce film-là. Euh, ça aussi, j'ai l'impression que c'est un film qui mérite d'être vu au cinéma. Euh, souvent, là, c'est sur IMAX, euh, mais je pense que même sur un, un écran bien ordinaire, mais de cinéma, ça, ça doit être sa coche. Fait que euh, c'est... Euh, Puis là, tu vois, hein, il y a comme une espèce de, de, de casse d'astronaute. Fait que j'imagine qu'ils il, euh, vont lui donner une espèce d'avion qui, euh, qui peut aller euh, assez haut, là, ça, ça, ça ressemble à aucun avion qu'on connaît. C'est pas un F-35. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Fait que là, tu vois, ça, ça disait juin 2020. Bon, OK, il y a eu la pandémie. Euh, il y aurait peut-être pu sortir HBO Max ou quelque chose du genre. C'est pas le cas. Euh, mais ça fait que tu vois, là, ça a tellement intense qu'il il passe là. C'est complètement fou. Fait, fait que c'est. Euh, c'est euh, dans, dans les films là, euh, qui, qui vont sortir euh, très prochainement. C'est quelque chose euh, que j'ai bien hâte. L'autre chose que je voulais vous parler, quelque chose qui est déjà sorti, c'est sur le Apple TV. qu'il faut être abonné. C'est un, un, une série télévisée qui s'appelle Ted Lasso. Et puis, euh, c'est euh, un, un coach de football américain collégial. Qui se fait engager pour aller en Angleterre pour coacher une équipe de soccer. Fait qu'il connaît absolument rien des, des règlements du soccer. Fait qu'il s'en va là avec ce, son assistant coach euh, qui, qui, euh, qui était avec lui là, au football collégial. Puis c'est tout qu ce qui arrive avec euh, les joueurs et tout. C'est excessivement drôle. Et euh, honnêtement, t'écoutes ça, si quelqu'un me dit hey, J'ai écouté ça, puis euh, ça c'est vraiment, là, je vous dirais, c'est quasiment un remède là, contre la dépression, là, tu sais. Je dis ça un peu à la blague, là, parce que quelqu'un qui est dépressif, c'est une situation qui est grave, mais ça te met de bonne humeur. C'est... Fait que je sais pas s'il y a des gens qui ont, qui ont écouté ça. Si jamais vous écoutez cette rubrique puis vous, vous l'écoutez, tel l'assaut laissez-moi des commentaires, voir comment vous avez trouvé ça, mais c'est vraiment le fun. C'est c'est pas compliqué c'est c'est vraiment là, quelque chose de, de surprenant puis tu sais à la fin de, de chacune des émissions tu te sens tu, sais, euh, tu te sens drôle, tu sais, c'est positif. Il y a Sylvie qui dit Feel Good TV Series. Oui, c'est en plein ça. Tu, tu feel good quand tu as, as fini d'écouter ça. C'est euh, vraiment une série intéressante. Fait que, par contre, c'est plate parce qu'il faut que tu t'abonnes à Apple. Plus. Mais souvent, il y a des fois, là, tu peux t'abonner, je pense, pendant 7 jours, c'est gratuit. Je pense que les émissions, il y, y a 10 émissions de 23 minutes ou 30 minutes. Tu peux passer ça là, dans une semaine sans problème. Tu écoutes ça en rafale, puis euh, c'est euh, pas compliqué. Il n'y a pas de, de super cliffhanger, il n'y a pas de méchant à tuer ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de kryptonite, il n'y a rien. Mais c'est vraiment, c'est un beau clé d'œil, puis euh, c'est le fun. Ça fait du bien là, de, de, de voir cette série-là, surtout dans les conditions dans lesquelles on est là, présentement. Là donc euh, c'est un peu ça euh, si je regarde le euh, si sujet de discussion euh, ben en fait euh, j'aurais parlé dans le fond de le, le, qu'est-ce qu'on a vu tantôt là, le, dans l'iPad Adam je vais juste revenir euh, en, en arrière donner des petites secondes En le fond, je voulais savoir euh, qu'est-ce que vous pensez de, de ça. Euh, je sais qu'il y a plusieurs personnes là, qui souvent vont, euh, donner, vont dire que ça n'a pas d'allure, au prix qu'on paye les hot toys, ça, ça devrait pas se, se produire. Puis honnêtement, ils ont raison. Euh, fait que je voudrais juste savoir, euh, qu'est-ce que vous pensez de ça euh, Est-ce que qu'est-ce que vous faites pour protéger vos figurines Est-ce que vous les, ce que vous faites attention par rapport au soleil Est-ce que vous, vous avez déjà pensé aux lumières halogènes Est-ce que c'est trop humide Est-ce que c'est trop sec dans l'endroit où ce que vous étiez Donc, euh, tu simplement, dans le fond, m'identifier. Euh, qu'est-ce que vous faites euh, personnellement là, pour euh, protéger vos figurines euh, donc vous pouvez mettre des commentaires là, par rapport à ça, euh, moi ce que je vous dirais c'est euh, plusieurs le savent j'ai quand même plusieurs figurines mais il y en a beaucoup qui sont encore dans les boîtes scellées euh, ça fait plusieurs années là, quand, tantôt le, 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 celui, le Terminator que ce soit le DX10 euh, je pense ou DX13 euh, il y a deux modèles, là, mais c'est un Terminator avec un manteau en cuir. Euh, ben, ils sont scellés. Fait que. Puis ai dans, je pense que c'est le DX13. Je les ai achetés usagés. Donc, ils ont été scellés, Ils ont été envoyés. Fait que ça se peut que j'ai une surprise quand, quand je vais les ouvrir. Euh, je sais aussi que j'ai un client qui avait commandé de Crow euh, qui, euh, qui est arrivé. Puis lorsqu'il on va à la boîte, là, ça, 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 ça s'est désagrégé, là, comme ça a aucun bon sens. Et puis, euh, fait que c'est ça. Fait que je, mais tu sais, on a vendu beaucoup de produits. Euh, je pense que quand les gens euh, les, les manipulent pas trop, parce qu'il y a peut-être l'autre aspect aussi, là, tu sais, les gens qui euh, qui, euh, qui vont arriver puis qui, euh, qui les manipulent beaucoup puis qui leur donnent des pauses et tout. Euh, le gras des, des doigts, euh, ça a l'air nono, là, mais euh, à force de, 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 de manipuler les figurines, c'est possible que le, le, le gras des, euh, des, des doigts se ramasse sur le, le cuir puis puisse attaquer le cuir. J'avais un, une chaise qui est en cuir, puis euh, l'été, quand c'est un genre de lazy boy, l'été, quand il est déployé, en arrière des genoux, tu sais, des fois, là, ça, ça venait comme un peu de trompe parce que tu as chaud et tu sur du cuir et tout ça. Ben, c'est là que ça a fendu. Tu sais. fait que Ça n'a pas fendu euh, nulle part ailleurs, mais c'est sûr que euh, je ne sais pas si c'est parce que ça sèche le. le ça assèche le, le, le matériel ou quoi que ce soit, mais c'est là que ça a fendu. Puis c'est une place aussi qui bouge un peu parce que c'est lorsque tu actives la chaise ou quoi que ce soit, elle se déplie. Fait que c'est les endroits où que ça ne se déplie pas, aussi nono que ça puisse paraître, euh, les, les, les accoudoirs ou quoi que ce soit, ben, ils sont, sont en super bon état. Fait que. Euh, puis pourtant, là, euh, ça, ça aurait pu être un endroit aussi où est-ce que même le gras aurait pu euh, attaquer le cuir. Donc, il euh, y a sûrement quelque chose à, à penser par rapport à ça. Souvent, les gens qui les mettent en museum pause, ils sortent, ils, ils, ils ajustent un peu les choses, puis ils le laissent comme ça, euh, dans des ditoffs ou quoi. Puis, tu sais, c'est relativement tempéré, il n'y a pas de soleil, c'est pas hyper humide ou quoi que ce soit, bien souvent, ils ne rapportent pas qu'ils ont, qu ont des problèmes. Fait que, fait que je pense qu'il y a une situation euh, très particulière qui, qui vient euh, attaquer, dans le fond, le cuir. Euh, fait que euh, si jamais vous avez des, de l'information par rapport à ça, ça, ça pourrait être intéressant là, de mettre ça là, dans les commentaires. Alors écoutez, ça fait déjà quasiment pas loin d'une heure. Je ne sais pas s'il euh, y en a qui ont des questions, quoi que ce soit, ou des sujets pour euh, les prochaines, euh, les, les prochaines euh, rencontres. Là, je vois y a un commentaire, euh, voyance, guérison, contact du cabinet. Euh, on voit ça un peu plus haut aussi, là, fait que j'ai l'impression que c'est pas mal n'importe quoi, ça. Euh, fait que je vous invite à pas nécessairement cliquer là-dessus. Euh, je ne connais pas nécessairement Winker Sylvia qui C'est ça, de... ça doit être pas mal du spam. Euh, c'est cool. Fait que moi, quand je, je vous disais, là, je vais labeler ça l'épisode 1 parce que oui, on a fait quelques épisodes, mais c'était principalement des tests pour rôder un peu. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même en meilleure posture. L'image est quand même bien. Euh, fait que je vais essayer de faire euh, soit les mardis ou les mercredis, principalement les mardis jusqu'à milieu octobre parce que j'ai de la formation euh, les mercredis. Je me suis inscrit à une formation de ZBrush. Qui est un peu de la sculpture numérique. et Puis euh, j'ai un petit plan là, par rapport à. Je voudrais me faire des bases pour être capable, de, en 3D, de venir mettre des têtes d'extra. Comme quand on a des statues en premium format, des fois ça vient avec deux têtes. Mais au lieu de, soit de la laisser dans la boîte ou de laisser l'autre tête lousse en arrière ou quoi que ce soit, je trouve que c'est un peu poche. On voit là, maintenant que les Prime One euh, haut de gamme, ces temps-ci, lorsqu'ils ont une deuxième tête ou même des fois une troisième tête, ils ont comme des stands pour les mettre dessus. Je trouve ça intéressant parce que si jamais à un moment donné tu veux changer euh, la tête, ben ça, ça ça donne un look puis en même temps ben c'est intéressant de l'avoir là tu qui tient puis qui est pas loose d'en même, là, ça l'époche un peu. Fait que je veux expérimenter par rapport à ça, voir euh, si je suis capable de faire quelque chose par rapport à ça. Sauf que là, je me rends compte que ZBrush, c'est peut-être pas le meilleur logiciel pour faire de l'impression 3D. Fait que, mais euh, je t'inscris, je trouve ça intéressant. Fait que je veux continuer à suivre ça. Fait c'est pour ça que généralement, le, je vais essayer que ce soit soit le mardi ou le mercredi, toujours autour de 8h, 8 à 9 Puis euh, ben c'est ça. Fait que écoutez, avec ça, je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez euh, pas, vous pouvez venir nous voir à la boutique en tout temps, pas besoin de prendre de rendez-vous. Les jeudis de 11h à 21h, vendredi, même chose, samedi de 10 à 5. Vous pouvez venir n'importe quand, il y a de la place à stationner en masse. On n'est pas dans, au centre-ville de Montréal. Euh, en dehors de ces heures-là, c'est possible de prendre des rendez-vous, mais essayez de m'appeler au moins 24h à l'avance pour qu'on puisse se, se, se céduler un, un moment. Et puis à ce moment-là, ben, je pourrais ouvrir la boutique pour vous, puis euh, on pourra échanger davantage. Alors, un gros merci, puis à la prochaine.